pour l'ouverture donc de l'accueil ou du centre de loisirs, que ce soit le soir, le matin, le mercredi ou durant les vacances, ce sera Maddy et Fredoun qui assureront, je dirais, l'encadrement, puisque nous avons un parcours de bénévole, militant, professionnel dans le champ de l'éducation et de l'animation. Donc on va démarrer ensemble avec vos enfants au centre de loisirs, avec l'école Les Enfants sous les Pins. Pour nous, c'est un espace éducatif complémentaire à cette école, dans lequel l'enfant va pouvoir d'une part se détendre, parce qu'il a quand même passé toute une journée dans l'école, et nous, on veut avoir un espace de bienveillance, d'accompagner. C'est pas de la garderie, quoi. C'est vraiment l'idée. L'idée, c'est que nous, pendant ces temps-là, il y a quand même un enjeu, on a des objectifs, etc., pour justement être dans le respect du rythme de l'enfant. Et... On a prévu, pour démarrer en tout cas, de mettre en place des ateliers modulables ou permanents dans lesquels l'enfant va pouvoir s'inscrire dans une dynamique. Activité découverte technique et scientifique, c'est bref une démarche scientifique, quoi. On découvre en faisant. L'atelier classique traditionnel, art plastique visuel, peinture, dessin, collage, coloriage, découpage. Troisième, c'est les activités numériques, puisque quand même le numérique prend de la place de plus en plus. Donc de manière ludique, avoir une approche sensorielle sur ce numérique. Découvrir de manière très simple le codage, c'est de la prise de photos, c'est des vidéos, c'est de travailler sur l'image. Il y a un cadre qui va faire que l'enfant va dans un cadre sécurisant et valorisant dans lequel il va pouvoir partir, je dirais, dans sa propre dynamique. Bref, on répond réellement aux besoins de l'enfant, quoi. On part de ses besoins, de ses envies, et même s'il a envie de rien faire, de s'ennuyer, eh ben, on lui permet de prendre le temps de s'il veut rien de faire. De rêvasser et de créer, en fait. Oui. En plus, on a prévu un accueil souple. C'est-à-dire que le parent, il y a vraiment une souplesse, c'est-à-dire que je viens à l'heure ou deux heures, ou le mercredi, c'est soit toute la journée ou une partie de la journée, et ainsi que les vacances, soit c'est la demi-journée ou la journée entière. Donc, Fredoun, spécialiste des jeux, c'est rester un enfant dans sa tête, donc grand joueur. Lui, il va être sur tout ce qui est jeux, activités, et donc les enfants n'ont pas fini de se marrer avec lui. Maddy va accompagner votre enfant, et elle a cette qualité qu'elle arrive à être à l'écoute des émotions et des besoins affectifs de votre enfant.